suis encore dans mon lit avec la tête du matin, forcément pas maquillée, rien. Il est 7h47, voilà, et je viens d'avoir un message de Nico. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour un Get With Me In My Life. Donc la différence entre ça et un Get Ready With Me, c'est juste que c'est pas tellement dans la préparation, mais ça va être un vlog tout au long de la journée. Donc pourquoi j'ai voulu vous emmener aujourd'hui avec moi, c'est parce qu'aujourd'hui on passe la journée avec Nico, d'où le message déjà ce matin. Et voilà, on va être un peu sur la côte, sur Bayonne, et au marché de Noël et tout ça, faire un peu du shopping. Donc voilà, j'ai voulu vous emmener avec moi. Je pensais que ça allait être sympa. Donc voilà, petit aparté par rapport à ma tête, comme on vous a dit donc dans la première partie de Parlons de ce qui dérange, effectivement les youtubeuses ne sont pas toujours pimpantes. Voilà ma tête du matin, pas maquillée et rien. Donc habituellement, j'emmène mon fils à l'école. Là, mon chéri l'a fait, donc j'ai juste à m'occuper de moi. Ce qui veut dire qu'il faut que je me lève, que je prenne mon petit déjeuner, que je me prépare et que je fasse ça très très vite parce que Nico sera certainement prêt avant moi, on se rejoint sur la route. Donc voilà. Sinon, le matin, qu'est-ce que je fais? Je check un petit peu mes messages et tout ça en étant au lit pour prendre la température. Là, vu l'heure, je vais plutôt le faire en prenant mon petit déjeuner parce que sinon je vais pas y arriver. Et voilà, sinon le matin c'est aussi câlin avec ma petite boulette. La petite boulette qui est là, voilà, qui est en train de faire sa toilette. Emma Sanga, tu dis bonjour aux abonnés? Non, t'es pas décidée, tu fais la gueule ce matin. T'as mal dormi. Ouais, je pense que tu as mal dormi, effectivement. Donc c'est vrai que le matin, elle vient me rejoindre juste pour un petit câlin. Une fois qu'elle a eu son câlin, c'est bon. On peut démarrer la journée. Tommy est en bas. Je vous le montre dès qu'on descend. Et voilà. Alors, on va faire un peu comme Lauriane pour météo. Donc, oui, alors ma tête, j'ai voulu me faire des couettes pour pas me faire chier en fait ce matin. Putain, il fait froid dehors. Pour pas m'embêter pour la coiffure. Et je sais pas si vous allez voir grand chose en fait. Parce que voilà. Voilà le temps qu'il y a dehors. Donc pour l'instant, on voit vraiment pas grand chose. Il fait encore gris, il fait froid. Déjà, il pleut pas, c'est déjà ça. J'espère que ça va se maintenir. Voilà, donc le matin, la première chose que je fais, c'est dire bonjour à mon Tommy. Bonjour mon pépère, voilà Tommy, donc le petit bouli de 10 ans qu'on a, tu dis bonjour, qu'on a récupéré par rapport à l'association, donc voilà. Lui il dort là sur son fauteuil toute la nuit, il est très bien, il est pas malheureux. Et là, oui je suis désolée pour le mal de mer, et donc là c'est petit déjeuner. Voilà, donc là je suis au petit déjeuner. Mon petit déjeuner c'est simple en fait hein. C'est un café avec du lait et du miel. Je prends plus de sucre, un jus d'orange et mes céréales. Et c'est toujours, bon là il y a des pubs, mais c'est toujours devant chaud le matin parce que voilà, parce que il m'aide à me réveiller. Et voilà, bon petit déjeuner. Bon, le petit déj est terminé. Donc là, je vais m'habiller. Je voulais juste, en fait, vous montrer le temps qu'il y a dehors. Parce que, au final, il fait pas si moche que ça. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre parce que voir mes carreaux, franchement dégueu, c'est peut-être pas. Voilà. Mais il fait super beau. Enfin, il va faire super beau en tout cas. Donc voilà, je referme parce que il fait peut-être beau, mais il fait froid. Et voilà, le son c'est normal. Le matin, pour me motiver, je me lève toujours avec la musique. Et donc là, on est dans ma salle de bain. Et là, il faut vraiment que je me prépare parce qu'il est 8h30. Nico est sûrement déjà en train de m'attendre. Et voilà, je suis toujours pas prête. J'ai fait par contre on va dire. Plaider non coupable sur le fait que je glande un peu trop à la maison.
Non, mon séchoir rallonge, c'est peut-être pas la peine. Je suis orange, mais en fait, non, c'est la luminosité hein, qui est pourrie. J'ai préparé le colis pour toi, Samantha, puisque tu avais gagné à mon concours. Donc, le colis est prêt, il est prêt à être envoyé. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai pris un peu de retard. Donc là, maintenant, je me prépare et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, on est dans la voiture, vous l'aurez compris. Donc, il est 9h06. Je suis à la bourre, mais quelque chose de malade. Nico vient de me dire qu'il partait de là où il était. Donc, lui, il avait même pas un quart d'heure de route. Moi, j'en ai un peu plus d'une demi-heure. Donc, autant dire, je vais être en retard. Hein, ça changera pas. Je ne suis jamais en retard à part avec Nico. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. J'espère juste que les séquences que je fais dans la voiture, ça va aller parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, j'espère que ça va le faire. Sinon, je suis un peu mal. Parce que j'ai le téléphone dans l'autre sens là, donc voilà, j'espère vraiment que ça va le faire. Sinon, au final je me suis quand même attaché les cheveux pour la tenue. J'ai mon écharpe de toute façon que j'adore, vu que hier j'avais un torticolis, je vais peut-être arrêter la musique que vous m'entendiez, j'ai préféré quand même avoir quelque chose vraiment de bien chaud. Sinon j'ai un petit gilet orange, j'ai mis une, peut-être que je freine, il y a une voiture qui arrive en face. J'ai mis une des robes noires dont je vous ai parlé dans mon haul, donc de Kiabi, par où je passe, oui je vais passer par là. Et voilà, avec les bottes forcément de chez Mine et un collant noir semi-opaque. Donc voilà, là pour l'instant il y a 5 degrés dehors, mais ils ont prévu à peu près 12 degrés cet après-midi. De toute façon j'ai prévu un long manteau en laine, donc ça devrait le faire. Et puis voilà, sinon quoi dire de plus, Nico si tu veux voir cette vidéo, je pense que tu la verras. Je suis désolée, hein, j'ai fait le plus vite possible, mais ce matin j'y arrivais pas. J'arrivais vraiment pas à me sortir la tête du fion, donc voilà. Chouchou, je te fais plein de bisous, je pense à toi parce que t'as une matinée pas super facile. Donc voilà. À propos aussi, cette vidéo sera postée. Que je raconte pas de bêtises, sera postée jeudi prochain. Aujourd'hui on est vendredi le 12 décembre. Et voilà, donc je la posterai un peu en retard. Pas tout de suite, dans tous les cas, puisque de toute façon bon, on est vendredi, le vendredi je poste pas de vidéo. Et mardi, il y a une vidéo, bon forcément vu que celle-là elle viendra après la vidéo du mardi, vous aurez déjà vu le sujet, mais c'était un débat, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore allé la voir, allez la voir, et puis dites-nous ce que vous en pensez, puisque voilà, c'était le premier sujet débat. La première partie en tout cas, on l'a fait en deux parties pour éviter que ce soit trop long avec Nico, donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vais arriver à Briscoe, donc là où je suis censée retrouver Nico. Je suis désolée, je vais te le dire en vrai, en étant en face de toi, mais je suis vraiment désolée du retard. Ça a super mal roulé, en plus il y a eu un camion qui a perdu son chargement, donc voilà, fallait que ça tombe sur moi. Et voilà, il y a un soleil de malade, donc je suis super contente. J'avais vraiment peur qu'il flotte et que ce soit horrible, et là on va avoir une super belle journée. Donc trop contente, et j'ai super hâte de me poser dans ma voiture et de démarrer cette journée avec toi Nico, parce que forcément une journée avec Nico c'est une journée sans prise de tête, une journée où on se laisse un peu vivre, et franchement ça fait du bien. Si vous connaissez pas Nico, franchement vous loupez quelque chose, moi je vous le dis. Donc là en fait j'ai récupéré Nico,
Et on est sur Bayonne, donc là on va aller à la poste. Samantha, j'ai ton paquet qui est là, que je vais envoyer. Et voilà, je vais pas filmer à la poste parce qu'en fait tout le monde s'en fout de comment on envoie un colis. Donc voilà, et il fait super super beau. Promis, je vous poste pas une photo cette fois-ci de l'immeuble qui est en face de la poste, que je trouve trop beau, que je photographie à chaque fois parce que je pense que vous en avez un peu ras-le-bol. Donc là on était à la poste, on a envoyé le colis et bah là on va aller prendre un café, je sais pas où en fait, c'est Nico qui va m'emmener en fait. Je me laisse guider, je sais pas trop en fait où on va. Donc là, on vient de finir le café qui était très très bon. Je suis toujours avec Nico, je sais pas si on te voit. Ouais, on te voit. Et là, on est. Tu m'as dit qu'on était où? Place de Gaulle, et on a le village européen. Je vais vous le scratcher là, voilà. Et en fait on sait pas trop ce qu'il y a parce qu'il y a un stand de vin chaud et c'est tout. Ça fait peur hein, franchement. C'est un petit marché Noël. Après je pense que c'est dans le centre-ville. Bah c'est peut-être pas la peine que je vous filme le stand de vin chaud. Mais parce que le vendeur a l'air indigné déjà. C'est méchant. Mais on va. S'il y a des choses à filmer, je vous filmerai. Et puis sinon, ben tant pis. Mais je pense que ça va être un peu la loose, quoi. Moi qui m'attendais au truc comme en Alsace, ouais, c'est non, un peu mort là. T'es pas à Strasbourg. Hein. T'es pas optimiste. Bon, alors on est dans le petit Bayonne. Et en fait, c'est ce que j'appelle le petit Bayonne. Et faut juste que je vous montre un truc de fou. Bah ouais, il est quand même trop bon. La poste, voilà, la poste raccord derrière, mais il est trop beau. Bon, il est, bah je sais plus l'heure, t'as 2h15. On va manger parce qu'on a franchement faim, on a limite la tête qui tourne, on est au bord du malaise. On a fait quoi ce matin? Marché de Noël. Ouais. Marché européen. On a fait plein de boutiques, non, on s'est baladé en fait. On est allé à France Loisirs, parce que de toute façon il fallait que je prenne ma sélection, donc voilà. Et j'ai pris... Ils sont où les bouquins? Oui, parce que oui, c'est Nico qui a roulé, parce que voilà. J'ai pris, s'il vous plaît, quand même, juste Divergente 3. Qui, le 1, il était bien, toi tu l'as lu aussi. Le 2, je suis en train de le lire, il est très bien. Donc le 3. Et voilà, je vais pas à le dire parce que j'arrive quand même toujours pas à le prononcer. Et c'est le volume 1. Et celui-là, je vais le passer à Nico. Et c'est lui qui va le lire en premier parce que moi j'en ai encore d'autres à finir. Donc voilà. Vu que j'ai dépassé 100 points, celui-là il était gratuit. Donc c'est tout bénef. Et ensuite, on est allé au Jiffy. Et au Jiffy, j'ai pris d'autres trucs. J'ai pris... Oui, non, mais la fille, elle prépare pas du tout, en fait, ses vidéos. J'ai pris une seconde chaussette pour Tommy, parce que j'en avais pas encore pour lui, vu que c'est son premier Noël chez nous. Et j'ai pris un truc qui sert absolument à rien, un attrape-poussière, mais c'est juste trop de la balle. J'en ai enfin un. Voilà, il est rose, il est trop beau, il est trop choukinou. Il ressemble presque à mon choukinou. Mon choukinou est quand même mieux, mais il ressemble presque à mon choukinou. Il y a Nicolas qui est en train de me faire une tête bizarre. Le jaune, on l'avait bien vu ce matin, mais il rentrait pas dans la voiture. Oui, ouais. De toute façon, vous aurez vu les photos parce qu'on va insérer... Oui, je vais insérer des photos. Celui-là, il est juste trop beau. J'en voulais un, donc voilà. Et là, on est au McDo et on va aller bouffer parce qu'on a trop la dalle. Et voilà. Mmh. Et cet après-midi... Sinon, j'attaque la bête. Sinon quoi? Attends, s'il te plaît. Sinon, j'attaque la bête. La bête, c'est moi. La bête, c'est moi. Allô, moi, je suis pas une bête. Je suis une petite créature fragile. Oui, mais la petite créature, ça a l'air de 4 heures. Elle est pas bien, hein. Elle est pas bien. Bon, on vous souhaite bon appétit, même si déjà, là, vous avez déjà fini votre digestion. Et bon, on verra. Voilà, et on verra si on filme cet après-midi ou pas. Voilà. Bon appétit.
Donc là, en fait, je filme avec ma webcam. C'est assez bizarre parce que j'ai Nico juste à côté de moi qui se cache, en fait, qui veut pas passer à la caméra. On est en train de faire le montage de ce, voilà, de ce Get With Me My Life, et on s'est rendu compte qu'on n'a plus filmé en fait le reste de l'après-midi. Bon, il y avait rien de très spectaculaire à filmer. On a pris le café, comme dit dans la famille de Nico, et après ben, on est rentré, on est quand même rentré assez tard chacun de notre côté. Il était 7 heures passées. Nico de son côté, ben il a fait ce qu'il avait à faire, et de mon côté, ben je suis rentrée, j'ai fait à manger tout simplement, et puis voilà quoi, j'ai pris ma douche et je suis allée au lit. Je suis allée au lit à quelle heure? Je sais pas à quelle heure je suis. Non, tu sais pas à quelle heure. Ben non, tu sais pas à quelle heure je suis allée au lit. Et voilà, donc j'espère que ce Get With Me My Love, ta 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 ta. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une des premières, qu'elle n'aura pas été trop trop longue. On a filmé très peu de choses. Ça a été plus long en fait avant que je retrouve Nicolas que après, parce que bah, tout simplement après c'était assez compliqué de vous filmer les choses parce que les gens nous regardaient tout simplement bizarre parce que je ne filme pas avec un réflexe et je filme avec un caméscope, donc un caméscope comme ça JVC. Et en fait quand je filme c'est comme ça et donc tout le monde se sent visé et c'est juste la merde pour paraître un petit peu discret. Et comme je n'étais pas sûre qu'avec mon téléphone je puisse filmer et avoir le son, bah, j'ai pas voulu non plus tout faire qu'avec le téléphone. Donc voilà, ben j'attends vos commentaires et j'espère que ça vous aura plu. Je vous aime.